était un peu gourmand en faisant cette louche. Le jeu était plutôt sur la gauche. Il s'est excusé d'ailleurs, Cesc Fabregas. Ça c'est bien fait. Avec le bon contrôle de Pedro. Il va mettre le feu dans la surface de réparation. Pedro centre en retrait avec Xavi pour la frappe de Xavi, repoussée des deux points par Zubicara. Il y a un arrêt assez spectaculaire, mais il aura peut-être pu capter ce ballon, Zubicara. Oui, mais vous savez, les ballons aujourd'hui sont tellement flottants, tellement durs pour les gardiens à pouvoir capter que ils les dégagent comme ils le peuvent. Et là, on a encore vu sur l'action, sur la frappe de Xavi, ils sont quand même encore trois Barcelonais devant le gardien quand même. Et pas de position de hors-jeu pour Alexis Sanchez, même si j'ai l'impression qu'il avait serré les points avant que Xavi ne frappe déjà. Hein. Oui. Caraille, il savait qu'il ne le capterait pas ce ballon. Et coup franc pour la Real Sociedad, ça va faire du bien pour que cette équipe puisse respirer. Et on revoit la tentative de Xavi. Personne ne sort dessus, voilà. C'est... Ah ouais, là c'est... Ah, c'est Durand. Oui, oui, oui. Il avait déjà préparé les... Ouais. C'est vrai que c'est un ballon qui aurait pu... Réceptionnable. Oui, oui. Là...